l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien. Soyez bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo, dans ce petit vlog dans lequel vous allez me suivre sur ma journée. J'ai quelques petits updates à vous faire au niveau de ma shape, de mes entraînements, de ma diète, etc. Je m'apprête à partir à la salle pour un gros leg day. J'ai du hip thrust aujourd'hui, du coup ça va être lourd. J'ai aussi potentiellement une autre séance qui m'attend ce soir. On verra ce que ça donne selon mon humeur, mon état, etc. Mais ouais, ça devrait être pas mal. Du coup on se retrouve tout à l'heure à la salle quand j'y arrive. A toutes. Je suis bien arrivée à la salle et j'ai vraiment pas beaucoup de temps. J'ai une heure pour faire ma séance. Du coup ma séance jambes, et sachant qu'à chaque fin de séance jambes, depuis la dernière fois, je fais toujours 15 minutes de cardio avec le circuit training que j'ai fait dans cette vidéo là. Donc ça va me prendre 1h15 et j'ai tout pile 1h15. Donc voilà, 1 heure de séance muscu, ça va être rapide, je vais me donner à fond. Surtout je vais essayer de ne pas perdre de temps inutilement. On se motive, gros son, gros programme, let's go. Ça va pas être possible, je vais m'arrêter là. Ça fait quelques temps là que j'ai super mal, j'ai l'impression que j'ai une côte déplacée. Vraiment, dès que j'ai une flexion de buste à faire, ça me fait super mal et limite ça m'empêche de faire le mouvement. Du coup, je sais pas si je vais continuer sur le hip thrust. Je vais peut-être passer à d'autres mouvements. On va voir, je vais réessayer. Mais je suis pas sûre d'aller jusqu'au bout du hip thrust. Tant pis pour aujourd'hui. Franchement, je passe toutes mes charges, toutes mes reps, toutes mes séries du programme de surcharge depuis longtemps. Ça fait 2 semaines que je passe 3 x 8 à 200 kg au hip thrust. Enfin, donc s'il y a une séance où je le fais pas, franchement je pense pas que ce soit trop dramatique. Je m'en voudrais pas du moins parce que là franchement j'ai trop mal. Donc je vais essayer de me cantonner à des exos qui ne causent pas de douleur et que je peux réaliser surtout. I'm reaching out but I don't get an answer and I see without. Séance terminée, je vous ai filmé tous les exos que j'ai fait. Franchement je suis pas ultra fière de cette séance, mais là pour le coup c'est la moins bonne séance de la semaine. Les deux autres étaient vraiment top et je pense en fait que je me suis ruinée à force de me donner sur mes séances, parce que ok, le programme de surcharge suit son cours. Franchement j'évolue, enfin je progresse vraiment bien et tout sur mes charges, ça fait plaisir vraiment, surtout que la forme reste super bonne et franchement je me suis améliorée, je le vois. Mais clairement j'avais déjà une petite douleur à la côte, un peu comme si elle était déplacée depuis une semaine voire 2 semaines. Et je sais pas à quoi c'est dû, peut-être que c'est dû au soulevé de terre quand je mets la ceinture, ça m'a peut-être un peu appuyé dessus, j'en sais rien. Je vais essayer de régler ça rapidement parce que là du coup ça m'empêche vraiment de faire des séances optimales. Je suis un peu deg mais bon c'est pas grave, je me suis quand même entraînée, j'ai fait ma séance de bon matin donc ça c'est déjà cool. Tant pis pour le hip thrust, tant pis pour les perfs, il faut écouter son corps et on se retrouve pour la régène.
au sirop d'érable, c'est trop trop bon et c'est trop trop bien. J'essaye de le mettre vraiment autour de mes entraînements, mes gros leg days surtout, parce que comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'ai des jours hauts, des jours bas en glucides et mes leg days sont des jours hauts en glucides, de sorte à ce que je puisse avoir l'énergie pour faire de bons entraînements et pour que mon corps aussi puisse disposer d'assez d'énergie pour reconstituer tous les stocks de glycogène et vraiment progresser comme il faut sur ces grosses séances. Mais bon voilà, comme quoi je vous montre pas que le meilleur et je ne vous montre même pas le meilleur. Du coup, pour que vous suiviez un petit peu l'évolution de mes perfs, je pense prochainement vous faire une vidéo où j'explose mes max, où j'essaye de faire mes nouveaux 1RM au squat, au bench, au deadlift. Peut-être au développé militaire aussi parce que j'ai bien progressé, je suis assez contente sur ça. J'ai ajusté deux fois mes macros, donc je suis au troisième palier actuellement de ma sèche. Je suis sur mes jours hauts à 438 grammes de glucides. Voilà, et là avec cette collation là, je suis à 230 à peu près. Donc voilà, j'ai à peu près la moitié de mes repas qui sont pris. Et il va être presque 11h et je mangerai pas avant 16h maintenant, donc c'est à peu près ce qu'il faut. Essayez de mettre la majorité de vos glucides autour de vos entraînements, je vous promets ça fait toute la différence. Je me sens tellement mieux, mes entraînements ils sont tellement bons en ce moment, vraiment c'est pas du tout anodin en réalité. Essayez. Vraiment propre, elle est bien équipée, etc. C'est du technogym, il n'y a pas énormément de poids libre, on a un rack d'halter qui va de 4 à 30 kg, donc ça fait le taf, on va dire. Mais le truc vraiment cool ici, dont je me suis servi et dont je vous parlerai un peu plus tard dans la vidéo, pas tout de suite, je vais quand même vous montrer, c'est une machine InBody. Donc je vais me mettre à travailler sur les programmes. Encore pendant une bonne heure. Et voilà, après on rentre. J'aimerais bien faire une séance d'eau car hier, j'ai du coup, avec le travail, l'école, etc., j'ai pas pris le temps d'aller m'entraîner. Franchement, j'ai terminé à 21h. J'ai préféré privilégier mon sommeil, donc j'ai skip ma séance d'eau. Du coup, j'aimerais bien la rattraper aujourd'hui, même si je me suis entraînée ce matin sur les jambes. Franchement, j'ai eu le temps de récupérer un petit peu. Et surtout, finalement, ma séance jambes n'était pas si intense que ça, enfin elle était intense mais je me suis pas cramée nerveusement, clairement pas hein. Donc ça va, je pense que je peux faire ça. Par contre avec ma douleur du coup à la côte, faut voir, franchement à adapter, mais je pense que je peux faire une séance tranquille de dos, j'espère, je pense qu'on va essayer et voilà, on fera ça tout à l'heure. Je m'entraînerai pas à République hein. Je pense que ça sera à Fitness Park, j'ai pas prévu de m'entraîner ici. Ah, j'y retourne. I'm back, je viens de rentrer de République, de la salle dans laquelle je travaille. Je me suis occupée à la fin en préparant des programmes. Du coup, vous n'hésitez pas si vous avez besoin d'un programme personnalisé. Vraiment, je prends en compte vos objectifs, mais aussi vos contraintes, vos préférences, etc. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas, vous pouvez me contacter soit sur Instagram, donc Laurine's Physique, ou par mail à l'adresse lb.coaching@yahoo.com. Ce sera avec plaisir que je traiterai vos demandes. Franchement, si je peux vous aider à progresser, c'est avec grand plaisir, c'est ce que j'aime faire, donc vraiment n'hésitez pas. Du coup, je vous ai parlé tout à l'heure de la machine InBody qui donne une analyse vraiment détaillée de notre composition corporelle, etc. Et là, pour le coup, c'est une vraie machine qui nous donne des informations ultra poussées, ultra détaillées et très précises. Donc c'est utilisé par le FC Barcelone, la NASA, tout ça. Donc c'est vraiment un vrai truc fiable. Et du coup, j'ai fait cette analyse en arrivant dans ma salle, donc ça fait quelques semaines et je vous l'avais pas montré, mais je pense que c'est très pertinent de vous la montrer, surtout par rapport à mon évolution au fil des semaines. Je pense que ce sera trop bien de pouvoir comparer mon analyse du coup corporelle d'avant la sèche, parce que j'ai commencé vraiment au tout début de mes cycles de sèche, et de comparer avec l'analyse que je ferai à la fin de ma sèche, vraiment pour voir, je vais vous montrer à la fois le taux de masse grasse, le taux de masse musculaire, etc., si ça a bougé, qu'est-ce qui a bougé exactement, et tout ce que c'est super super poussé. J'ai fait le 26 septembre, c'était il y a 10 jours, je pesais 62 kg, on peut voir que mon taux de masse musculaire c'est 46%, que j'ai donc 28 kg de muscle avant ma sèche pour 18% de masse grasse.
Donc précisément 11 kilos pour ma masse corporelle totale, donc ça fait vraiment 18%. Voilà, après le reste, là c'est vraiment le détail de ma masse musculaire au niveau des segments, donc portion du bras droit, du bras gauche, du tronc et des jambes. Ça va être intéressant à voir comment ça bouge. Normalement la proportion de masse grasse devrait bien baisser, je pense que ça devrait baisser vers les 15. Étant une femme, forcément ça va pas descendre sous les 10% ou même aux alentours des 10%, hein. Les femmes ont naturellement plus de masse grasse pour le même rendu au fait. Un homme compétiteur, il sera peut-être à 6% de masse grasse et une femme compétitrice ultra sèche, autant visuellement que l'homme, sera peut-être à 12%. Si jamais je perds un peu de masse musculaire, on pourra voir où est-ce que je l'ai perdu du coup, puisque il y a vraiment le détail au niveau du bras droit, du bras gauche, du tronc, de la jambe droite et de la jambe gauche. Donc on pourra savoir où est-ce que j'ai perdu ma masse musculaire et où est-ce que j'ai perdu de la graisse. C'est vraiment détaillé, pareil, au niveau des bras, des jambes et du tronc, où est-ce que la graisse est logée. Je vous tiendrai au courant quand j'aurai terminé la sèche de cette analyse, on pourra comparer. Franchement, je suis trop contente d'avoir cette machine à disposition. Il est 18h20, je m'apprête à retourner à la salle du coup, on va voir ce que ça donne. J'ai vraiment envie de m'entraîner, mais c'est un peu limitant du coup cette douleur, ça m'embête un peu. On va voir ce que je peux faire, je vais faire de mon mieux. Et j'aimerais bien aussi faire un petit peu de cardio. J'ai pris un livre, parce que vous savez que j'aime bien lire sur mon vélo, donc c'est ce que je vais faire, je pense, dans tous les cas. Si jamais j'arrive pas à m'entraîner, je ferai seulement le cardio. Et voilà, là déjà, je vais faire un petit peu de marche, parce que je suis à 5000 et quelques pas, et j'aime bien atteindre les 10 000 chaque jour. Donc je vais faire un petit tour, je vais aller à la salle, et voilà, on se retrouve là-bas, je vous montre ma séance, s'il y en a une. Et voilà, tout à l'heure. Bon, j'ai terminé ma séance d'obiceps, j'ai fait ça pendant une heure, franchement je me suis donnée, c'était trop trop bien. J'ai fait principalement tous mes exos à la poulie avec un banc pour pas forcer sur ma douleur, éviter toutes les flexions de buste. Et franchement ça s'est bien passé, je suis assez contente, j'ai pu travailler le dos comme il fallait sans me faire mal. J'avais peur de pas pouvoir m'entraîner du tout, donc franchement c'est cool. Et là du coup je vais passer au cardio, je vais me mettre sur un vélo avec mon livre. Toujours c'est Pourquoi nous dormons, que j'ai pas encore terminé, donc j'essaye de m'y mettre un maximum, j'ai envie de le terminer. Je vais faire 30 minutes de cardio du coup tranquillement, à une intensité vraiment moyenne. C'est pas parce que je lis que je peux pas me donner non plus sur le vélo, donc franchement je me donne, mais c'est pas un sprint sur 30 minutes. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Moi je vous retrouve jeudi prochain dans la prochaine vidéo, j'espère que celle-là vous aura plu. Lâchez-moi un like, lâchez un gros commentaire, ça me fera trop plaisir. C'était Laurine, je vous fais plein de bisous. Ciao.